Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous nous retrouvons au Dilemme Game de Thouars. Nous sommes avec le propriétaire, Cédric. Enchanté. Donc on est ici pour vous faire découvrir quel jeu ? Eh bien le Super Mario Odyssey sur Switch. Hein. On peut dire l'un des meilleurs d'ailleurs. L'un des meilleurs Mario et peut-être oui des voilà. Plus innovants on va dire de ces dernières années. Donc on retrouve Mario et son gros point fort en fait maintenant c'est qu'il a un petit chapeau en fait. Un gros bonhomme. Voilà, donc là ils sont en train de me niquer. Hein donc, top. les niveaux sont très colorés. L'avantage vous voyez c'est que là il est déguisé en mexicain, on peut changer au fur et à mesure de l'aventure, on gagne une nouvelle tenue. Qui nous permet d'accéder à certaines portes, vu qu'il y a des portes dans lesquelles on ne pourra pas rentrer si on n'est pas sous la tenue adéquate en fait, du nu. Pour acheter la tenue, il faut gagner des petites pierres, et avec ces petites pierres, après, vous débloquez les costumes. Il y a un mode aussi deux joueurs hein, sur ce Mario. D'accord, un mode joueur 2, hein, voilà. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le chapeau, vous pouvez prendre possession de beaucoup d'objets. Ouais. C'est, ce que je vais vous montrer, la petite nouveauté qui est sympa, c'est ces stages. Vraiment sympa en 2D, oui. Oui, petit côté rétro là, c'est l'ancienne comme vraiment le tout premier Mario sur NES et du coup vous vous retrouvez vraiment avec un gameplay en 2D comme à l'époque, à l'ancienne, donc petit clin d'œil sympa. Donc après il y a un mode à deux, il y a aussi un mode assisté hein, pour les plus jeunes, le jeu est derrière son côté un peu cartoon, il y a quand même, de la difficulté, hein, voilà. Oui, hein, c'est... Donc, vous perdez pas de vie. Bah là, c'est pour vous montrer ça, en fait, que je viens de perdre. Bien joué, oui. Il n'y a pas de vie dans ce Mario. En fait, vous avez un nombre de pièces hein, que vous accumulez comme dans tous les Mario. À chaque fois que vous perdez une vie, ça vous fait perdre des pièces. Donc, d'accord, en fait, voilà. Okay. Donc, on perd jamais vraiment. Comment ça se passe? À deux, ben, on peut essayer. Oh là là là, mon Dieu. Ça va changer les jeux de baston? Si tu veux, sur l'une, le joystick est vraiment excentré. D'accord, effectivement. Donc, coup, c'est un peu plus évident que d'avoir le joystick au centre qui est pas du tout. Donc en fait, tu me passes la manette là, tu. Voilà, tout à fait. Tu as manipulé quoi. Il y en a un qui va jouer. Il y en a un qui va jouer le capi. La casquette quoi. Voilà. Je vais jouer la casquette. Non. Alors, je sais pas qui c'est. Si, c'est pour ma bonne. Donc vas-y. Par contre, il n'y a pas possibilité de tuer les personnages. Alors, non, voilà, ça c'est des gentils. Hein, donc, Ah, c'est des gentils, pardon. Même s'ils ont des têtes un peu bizarres, ce sont des amis. Donc t'as une fiche pour ce... C'est très facile à manipuler, regardez. J'ai juste à diriger Capi pour shooter les adversaires. Oh là là, oui d'accord. Et voilà, il y a quand même des transformations après assez sympa. Par contre, là je joue plus là en fait. Et donc forcément ces transformations après dans le jeu vont vous permettre d'accéder à des passages. À vérifier, mais je crois qu'il y a une cinquantaine de transformations quand même dans le possible. Jeu. Possible. Ah mais là t'as une petite porte dérobée. Donc il y a toujours, voilà, dans le jeu. C'est comme on disait tout à l'heure, il y a possibilité de le faire en ligne droite. Après, si vous voulez trouver toutes les lunes, si vous voulez trouver toutes les pièces, tous les objets cachés, il y a quand même pas mal de temps à y passer. C'est un incontournable. Et puis un des gros hits de la console. Voilà. Et le mode de joueur, peut-être accessoire. Enfin, avec un enfant, pourquoi pas, mais sinon c'est. Même un enfant de 40 ans. Bon, écoutez, on a passé un bon moment ensemble. Je vous dis au revoir. A très bientôt sur une prochaine vidéo. À bientôt. Cédric, on passe à te voir peut-être? Avec grand plaisir. Et ben voilà. Donc je vous dis à bientôt.